C'est sur le mignon, là. J'ai passé le concours des bourses. Et j'étais reçu aux bourses. Et 3 mois après, j'ai passé le certificat d'études et j'étais reçu avec mention bien. Alors, mes grands-mères ont commencé à emmerder mon père pour qu'il m'envoie au séminaire. Alors, mon père a dit non, pas de séminaire. Lui, il avait fait la guerre, il avait fait son service militaire à 12 ans, il en est sorti en 1912, et il en est sorti en 1919. Et comme il était spécialiste des chevaux, il était fait son tour de France des chevaux, comme maréchal Ferrand. Quand il a été mobilisé en 12, ils l'ont foutu dans les chevaux. Et les chevaux lui ont sauvé la vie. Parce que les chevaux, il s'est retrouvé dans un régiment ou dans un bataillon de 75. Mmh. Et il traînait les chevaux, les canons avec des chevaux. Et quand les canons étaient posés, il fallait retirer les chevaux. Parce que les chevaux, ils n'aimaient pas les pétoires, qu'elles soient amies ou ennemies. Donc, il fallait planquer les chevaux. Et ça lui a sauvé la vie. Son frère est mort, pas lui. Lui, il est resté vivant. Alors, il m'avait déjà donné, quand je suis né en 20, donc il est rentré en 19, il s'est marié avec la fiancée de son frère. Voilà. Son frère était fiancé à une fille qui avait 1 ou 2 ans de moins, et il s'est marié avec la fiancée de son frère. Voilà. Et ma mère, c'est elle. Voilà, alors, j'étais au Bourdet, donc après, il a commencé à me seriner après les examens, en me disant, ouais, tu te démerdes pas mal à l'école, bon, eh ben écoute, tu vas rentrer au lycée, là, en face, en bas, là, le lycée Fontane, qui est une maison, un dortoir jaune qui est juste en face de ma fenêtre. J'avais 12 ans, là, j'étais prisonnier déjà, à 12 ans. Prisonnier, parce qu'en fait, à 12 ans, c'était ça, c'était l'internat. Donc, j'ai passé ma jeunesse là, et dans un mauvais truc, parce qu'au bout de 6 mois, j'étais pas si con que ça. Hein. J'avais pas ferré les chevaux, mais j'avais commencé à piger des trucs, là, au lycée. Et j'ai dit à mon père, au bout de 6 mois, j'ai dit, écoute, tu m'as foutu dans le mauvais bazar. Tu m'as foutu à l'EPS. Et à l'EPS, il n'y a pas d'ouverture sur le secondaire. Moi, à l'EPS, je suis foutu, là. Je suis obligé de suivre l'EPS. Il dit, oui, mais tu feras instituteur ou percepteur. C'était la vocation de mon père, ça. Qu'il n'avait pas fait, lui. Mais c'était destiné. Bon, ben, j'ai dit, écoute. Alors, je suis resté là-dedans. D'accord. Et c'est comme ça qu'à 18 ans, j'ai commencé ma carrière de fonctionnaire à Celles-sur-Belle. Comme commis du Trésor. D'accord. À Celles-sur-Belle. Comment vous est venu l'intérêt que vous portez à l'aviation ? Ah non, ben, c'est après. Mais la carrière à l'aviation, c'est accidentel. De toute façon, la vie... Ouais. Voilà. Alors voilà. Alors moi, à 11 ans ici, mon père, qui quand même avait été, dessalé par ses 7 ans de canonnade, bon, ben, il avait, à une fête aérienne, là, en 31, à une fête aérienne à Niort, il a emmené sa femme, et moi, qui avais 11 ans, pas encore 11 ans, 10 ans. Et puis, il y avait des baptêmes de l'air, alors il prend 2 tickets. Mais quand ma mère a vu arriver le bordel, elle a dit, moi, je monte pas là-dedans, hein. Voilà. Alors, on a pris le gamin, puis on a foutu dedans. Et c'est comme ça que j'ai fait mon baptême de l'air à 10 ans, au-dessus de la place de la Brèche, là. Vous vous souvenez d'avion, ce que c'était comme d'air. Avion ? Oh ben, c'était 2 places, l'une derrière l'autre. Et j'étais à côté de mon père, dans la place d'un côté, ou devant, je crois, devant. Là, le conducteur, c'était derrière, à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et puis, on a volé au-dessus du machin. Et c'est le premier vol que j'ai fait, j'en ai pas fait d'autres avant mon bazar. D'accord. Parce que moi, quand je me suis retrouvé à Celles-sur-Belle, bon, j'avais déjà vu le début de la guerre, j'avais déjà vu beaucoup de choses. Parce que faut pas oublier une chose, hein, c'est que Hitler, il est ce qu'il est. Mais il avait fait un plan de vol.
Et le plan de vol Hitler, ça s'appelle Mein Kampf. Et tout ce qu'il a mis dans le plan de vol, il l'a fait dans l'ordre. Et nous tous, nos grands cons de généraux, qu'ils étaient tous devenus maréchaux, ils ont même pas vu arriver Hitler. Ben, ils n'ont rien lu. Comment vous êtes-vous décidé à rejoindre la France combattante et quel a été votre parcours pour y arriver par l'Espagne ? C'est, ça, c'est long. Parce que je n'ai pas venu comme ça. J'ai commencé à Celles-sur-Belle. J'ai vu arriver la guerre, bon, avec un autre percepteur qui avait qu'une jambe aussi. Celui-là, il avait perdu une jambe, lui. Et il était grand mutilé. Mais c'était un type très bien. Hein. Tout ça, c'était des types formidables. Et bon, puis ils ont fait une influence sur ma formation, puisque moi, je travaillais avec lui. Et les tournées de perception, parce qu'on avait des cantons, et dans les cantons, on avait les responsabilités des finances locales. Alors, le percepteur avec sa jambe de bois, il ne faisait pas les tournées. Donc, c'était moi qui, en vélo, faisais les tournées avec la sacoche du pognon et le bazar, voilà. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler le commis du trésor. Bon, alors, il y a eu la guerre, en septembre. Et, je ne sais pas longtemps, aussitôt après la déclaration de guerre, il y a eu le départ des trains bondés des gens qui étaient mobilisés, qui s'en allaient faire la guerre. Pas joyeux, hein. Mes souvenirs sont assez clairs là-dessus. C'était pas du tout la joie. Hein. Ça sentait déjà mauvais. Bon, alors, au bout de 3 semaines, un mois, dans le journal, parce qu'il y avait les journaux, bien sûr, je vois un placard, l'armée de l'air, engagez-vous dans l'armée de l'air. On va avoir besoin de vous, etc., etc. Et pourquoi pas ? C'est comme ça que j'ai envoyé une lettre à l'adresse qui était indiquée. Et puis, on m'a répondu un mois après. Oh, ça n'allait pas vite, on n'était pas pressé là. Alors, on m'a répondu un mois après. Et on m'a envoyé effacer ma visite du PN à Tours. J'ai été convoqué à la visite du PN en janvier 1940. J'ai été à Tours passer ma visite du PN, et 15 jours après, je reçois mon affectation à Avord. Et j'ai été dans le centre de rassemblement des élèves pilotes de l'armée de l'air de 40. C'était à Avord. Donc, mon entrée dans l'armée de l'air, c'est celle-là. C'était le bataillon de l'air 136, je crois, à Avord. Et nous sommes retrouvés à Avord, on nous a donné des habits bleus, des sabots de bois, différentes bricoles comme ça, et puis un lebel d'autrefois, bien sûr, parce qu'il y avait une grande machine là, une grande baïonnette, et on a appris à faire de présenter armes avec ces machins-là. Mais au point de vue aviation, on nous a rien fait faire. Mais rien. On faisait rien. On jouait au foot. Et puis on nous faisait faire un peu de bagotage le matin, un peu de bagotage l'après-midi, puis c'est tout. Et on attendait que ça pète, quoi. Mais toute la France, toute l'armée française attendait, hein. Personne ne faisait rien. Personne. Voilà. Mais attention, là je le mets là. Début là. Oui. Les Hankel 111 là. Ok. Oui. C'est là. Les Hankel 111 qui sont arrivés le 10 mai. Eux, ils avaient. Personne ne les attendait. Hein. Il y avait une école de chasse à Orvar. Une école de chasse. Sur 406, il n'y avait pas d'armes dessus. Ils sont venus, ils étaient une vingtaine. Ils ont survolé la base d'Avor dans un sens, dans l'autre. Et ils ont pulvérisé, pratiquement, hein. Sans aucune opposition. Il y avait une mitrailleuse qui a tiré, française, c'est tout, mais elle faisait des... Puis de temps en temps, elle s'enrayait parce que c'était par à-coup. Voilà. Et là, on nous a évacués sur une ferme, parce qu'on s'est dit, les élèves pilotes qui faisaient rien, il faut les ménager. Alors, on nous a retirés dans une ferme à proximité du terrain, et puis, au bout d'un certain temps, on dit, il faut quand même en faire quelque chose. Alors, on nous a évacués sur Pau. On a rejoint la base aérienne de Pau. Et on a été affectés à Pont-Long.
à Pau, c'est là-bas, je ne m'en rappelle plus combien. Voilà. Et là, pareil, on nous a dit, le lendemain, il y avait un colonel ou un officier. Les officiers, les gros galons, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. On voyait des adjudants, on voyait des un ficelle, deux ficelles. Nous, notre responsable des élèves pilotes à Avord, c'était un adjudant, un aspirant de réserve de 14-18. Ouais. Qui a essayé de nous apprendre le triangle des vitesses. Il n'est pas arrivé. Voilà. Alors, non, c'est pour dire que déjà, le cerveau, il marchait. Hein. On discutait entre nous, puis on disait, mais c'est cinglé, ça, on est chez défaut, là. Voilà. Alors, là, on est à Pau. Bon, à Pau, on nous a promis le paradis. On a dit, on va vous faire un terrain. Voilà. Et alors, on a découvert le long de du Gave, à Hydron, à côté de Pau. On a trouvé un terrain, là, où il y avait des petites buttes de terre et puis des arbres à abattre, à planir. Et puis, tous les matins, on nous emmenait en camion avec des pelles pour gratter le bazar, pour arriver à faire notre terrain. Alors là, c'était déjà grandiose. On avait déjà un but. Ça commençait comme un... On se disait, on va peut-être faire quelque chose. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, il y a eu le 25 machin, juin, l'armistice terminé. Vous avez été démobilisé ? Non, pas tout à fait tout de suite. On nous a fait défiler avant. D'accord. Parce que le 25 juin, il y a eu le 14 juillet. Et le 14 juillet, il n'y avait pas de troupes à Pau. Donc on a cherché des troupes pour faire le défilé du 14 juillet, parce qu'on n'oubliait pas le 14 juillet. C'était en zone libre, Pau. Alors, on est venu nous chercher. Les élèves pilotes, il n'y en avait pas d'autres. Donc, on nous a donné des fusils tout neufs pour défiler. Des gras. Les derniers fusils, là. Puis, on nous a donné des godasses. Puis, il a fallu défiler. On a été défilé le 14 juillet 1940 à Pau, dans l'avenue principale. On a été sifflé. Par la population. Oui. Horrible. Jamais plus c'est le plus grand coup que j'ai ramassé dans la gueule, ça, je crois. Ouais. 14 juillet 40. On a été sifflé à Pau. Les connards. Toujours les connards. Non, c'est alors vrai. Là, attention. Alors là, on a bricolé deux ou trois vues, puis on s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va en foutre ? Alors, le gouvernement de zone dites, pas oublier que j'ai été classé chez Pétain comme déserteur. Hein. Dans les archives locales, là. Je suis le déserteur du Bourdet. Ah oui ? Sous Pétain. Ouais. J'étais engagé volontaire en 1939, déserteur sous Pétain, à nouveau réengagé volontaire à France, Alger. Voilà. D'accord. C'est bien l'image de mon pays, quoi. Bien sûr. Comment êtes-vous arrivé ? Alors, j'ai été démobilisé, là. On m'a démobilisé le jour de ma naissance, de mes 20 ans. 20 ans. Et comme j'avais pas... Comme on a décidé ça quelques jours avant le 10 août, alors, j'avais pas l'âge avant le 10 août pour aller dans les camps de jeunesse. Donc, on m'a démobilisé, on m'a renvoyé ici. Je suis revenu ici. J'ai été me présenter à la trésorerie générale qui m'ont dit, bon ben d'accord, on a un job pour vous tout de suite. Et ils m'ont envoyé à Mel. 15 jours après, j'étais affecté à Mel. Ouais. Et j'ai recommencé une carrière de commis du trésor à Mel. Très sympa, je jouais au foot là. Dans l'équipe de Mel, c'était bien. Non, c'était un bon endroit d'ailleurs. Mais... Comment avez-vous décidé de partir ? Ah ben ça... Avec Jean et votre voyage, pouvez nous en parler ? Ah oui, bien sûr. Non, je peux vous dire un truc, c'est que même ma fonction commis du Trésor public, étant donné que je suis toujours tombé sur des percepteurs invalides ou n'importe quoi,
Bon, ben, bon, puis je me débrouillais pas mal dans le Berlin, quoi. Alors, bon, ben, on me faisait travailler. Et je signais, et à partir de 1940, où je mettais des signatures officielles, voilà ma signature. Mmh. Sur tous les documents de trésorerie générale, il y avait ma croix de Lorraine sur ma signature. Ouais. S'ils cherchaient bien, il y en a plein dans les machins. Alors évidemment, j'ai commencé parce que je faisais beaucoup de sport. Je faisais de l'athlétisme au stade Niortel. Hein. Je courais le 400, le 800, soit en hauteur. Et football, je jouais à Mel et au basket aussi. Je jouais à Mel. Alors, bon, bah, je voyageais beaucoup grâce au sport. Et j'en ai toujours profité où j'allais, dans les endroits qui paraissaient possibles pour m'extraire d'ici et rejoindre l'Angleterre, parce que j'aurais été à proximité d'un port ou quelque chose, je serais parti avant. Mais il y avait des possibilités en Bretagne, mais ici aucune. Quand j'allais à La Rochelle, j'en parlais toujours à mes copains qui faisaient du sport à La Rochelle. Ils me disent non, touche pas à ça, parce que de toute façon, vous serez coffré. Et de toute façon, les frites, ils surveillent tout là. Il y a peut-être des endroits où il y a des pêcheurs qui peuvent bricoler, mais pas ici. Donc, j'attendais. Et la chance, après, ça a été plus tard. Quand je me suis retrouvé, après Mel, on m'a foutu à Frontenay-en-Rouen. Chez à Frontenay-en-Rouen, la patrie de Jean Billot. Voilà. Alors là, à Frontenay-en-Rouen, j'ai commencé à parler avec mes copains de Frontenay-en-Rouen. Du football, j'ai fait du foot à Frontenay, j'étais toujours au stade Niortais là. Et puis je me suis retrouvé à Frontenay-en-Rouen dans un milieu où on parlait, commençait à parler de choses. La résistance, c'est pas vrai. Résistance, il n'y avait pas de résistance à ce moment-là. C'est du bidon leur bazar. Ils ont fait des trucs, oui d'accord, mais pas beaucoup. Il y a des gens qui sont rentrés en résistance tôt, c'est les communistes. Quand il y a eu les histoires de prise d'otages, etc., les communistes ont descendu des frites et ils ont été flingués. Manoukian et les autres, là, bien sûr. Eux ont commencé la résistance. Mais ici, zéro, pas vrai. Voilà. Alors, mais par contre, avec Jean, on a commencé à discuter là, avec les gamins. Mais tous les autres gamins étaient au courant de ce qu'on voulait faire avec Jean. Il n'y avait pas eu de volontaire, il n'y en a pas eu un. Parce qu'on pouvait partir à plusieurs. Ouais, voilà. Alors, je suis parti avec Jean. De chez moi, d'ailleurs. On est parti de chez ma grand-mère. Parce que ben, le train était à Prin-des-Rançons. Il y avait une gare. On a pris le train à la gare en demandant un billet pour Hendaye. Et la fille, la bonne femme qui tenait le machin, elle a fait Hendaye. Elle a regardé le tarif. Elle a demandé aucune question. Puis on est parti comme ça. Et on s'est retrouvés dans le train. On a changé à Poitiers. À Poitiers, on a pris le train qui s'en allait vers Hendaye. Et puis quand même, après Bordeaux, on a commencé à... Parce que jusqu'à Bordeaux, il n'y avait pas eu d'emmerde. Il n'y avait pas eu de défilé de frites et de police. Ça paraissait très calme. C'est après Bordeaux que là, ça commençait à présenter des risques. Des risques. Oui. À Soubizia. Non, non, non. On prend la route de machin, on rencontre là, à Asquin, à côté d'Asquin, on rencontre les deux contrebandiers qui nous attendaient à côté d'une ferme. Et c'était le lieu de rendez-vous avec notre marchand de vélo. D'accord. Alors, marchand de vélo nous dit, moi maintenant, il nous met en rang, il dit, voilà, voyez avec eux, maintenant, c'est plus mon affaire, c'est la vôtre. Parce que lui, il était fair-play. Vous étiez que tous les deux ou il y avait d'autres groupes de jeunes? Ah non, on était que tous les deux. D'accord. Et le passeur était seul? Ah non, le passeur était tout seul en vélo. D'accord. Et là, vous l'avez suivi de nouveau? Ah non, il nous a abandonnés avec les deux contrebandiers parce que lui, c'était fini. Il revenait à Saint-Jean-de-Luz et il reprenait son boulot.
D'accord. Il a eu des emmerdes après, parce que je crois qu'il a été catalogué comme passeur. On lui a cherché des emmerdes, mais il n'a pas été... Après, là, je crois que ça c'est... Il n'y a pas eu de problème grave, je ne crois pas. Donc vous vous retrouvez avec deux contrebandiers. Ouais. Et on leur dit, voilà, comment on fait pour aller là-haut. Ils m'ont dit, aucun problème. Seulement, combien vous payez? Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, moi, j'avais 1500 balles. Jean aussi. J'ai dit, mais on a chacun 1500 balles. Il dit, ça marche. Ça va. Donc, vous les suivez? Ouais. Et puis là, ben, vous avez marché combien? Ça ben, on a marché pendant jusqu'à minuit. Parce que ça montait. Et Jean, il traînait les pattes. Hein. Bon, enfin, ça fait rien. Moi, j'étais en forme, je courais en athlétisme, donc il n'y avait pas de problème. Oui. Alors, bon, on se retrouve chez un berger où il faisait escale pour faire le ravitaillement pour descendre, pour faire le double rapport. D'accord. Voilà, alors le berger nous dit, bon, ben, si vous voulez dormir, demain, on verra demain. Demain sera un autre jour. Donc, si vous voulez dormir, il y a de la fougère. Et on a dormi dans la fougère. Parce que c'était Soubizia, c'est une ferme. Maintenant, il doit y avoir un troquet là-haut. Mais j'ai essayé d'y aller avec Jean, mais il a eu un truc. Il a été malade dans le voyage et j'ai pu y aller avec la mère de mes petits-enfants. J'y suis retourné là-haut. Voilà. Vous avez reconnu les lieux? Non, non. Je ne me rappelais plus du tout. Ça faisait un paquet de temps. Alors, de cet endroit, donc vous avez ces endroits, le lendemain matin, le berger nous dit, moi, il faut que je descende à Vera. Parce que Vera, c'est le village en dessous, le long de la Bidassoa. Alors, ben, il dit, nous, ça nous va, on va aller jusqu'à la gare à Vera. Parce qu'on pensait prendre le train pour rejoindre Saint-Sébastien. Parce que Saint-Sébastien, on savait qu'il y avait un consul anglais. Et on se disait, bon, on tâchera d'aller jusque-là. Et puis on s'est fait coffrer dans le train, par la gardia civile. D'accord. Tu as dit, vous n'êtes pas d'ici. Ben non, on n'est pas d'ici. Voilà. Et on s'est retrouvés en prison, à Irun. Oui. Mais on n'est pas resté longtemps, parce que l'après-midi, on a été prisonnier le matin, et l'après-midi, le consul anglais de Saint-Sébastien est passé nous voir. Et il nous a dit, vous en faites pas, on ne vous rendra pas aux Français et on ne vous rendra pas aux Allemands. Vous avez déclaré aux Espagnols que vous étiez Canadien? Non, pas moi. Moi, j'ai sorti mon livret militaire. J'aurais donné mon livret. J'avais déjà mon livret militaire. D'accord. Ouais, donc, j'ai sorti mon livret militaire. Donc, mais ils ne savaient pas que dans quelle Croix-Rouge me mettre, parce qu'il y avait la Croix-Rouge Vichy, la Croix-Rouge Alger, puis la Croix-Rouge Londres. Oui. Nous, on était bien, nous, on était multinationalité. Il y en avait beaucoup qui se déclaraient canadiens, puis d'autres qui se déclaraient américains, mais qui ne parlaient pas l'anglais, bien sûr. Bien sûr. Donc vous vous êtes retrouvé à Miranda? Non, pas tout à fait, tout de suite. Pas tout de suite. Machin, on s'est retrouvé à Irun. Puis deux jours après, le consul anglais est venu nous sortir, et il nous a mis à Irun dans un hôtel. Dans un hôtel. Oui. Parce qu'ils avaient un contrat avec l'hôtel. Puis au lieu de nous garder en... les Espagnols ne voulaient plus de nous en tôle, il y avait trop de monde qui passait. Ouais. Alors ils nous ont mis en résidence surveillée à Irun. Alors bon, on jouait à la pelote basque avec les Basques, parce qu'il y avait beaucoup de Basques parmi nous, hein, qui avaient passé aussi la frontière. Ouais. Et évidemment, ils parlaient basque. Alors ils étaient chez eux, là. Qu'ils soient à Irun ou à Hendaye, c'est pareil. Hein. Excellent, oui. Voilà. Puis après, on est resté un certain temps là, puis on nous a mis après dans un hôtel surveillé à Zarauz, sur la côte, entre Sébastien et Bilbao, là, sur la côte. Un hôtel, il y avait une résidence Côte d'Azur, quoi, pour la plage, et là, il y avait des hôtels disponibles, et ils avaient requis un hôtel, et on a été logé là, à Zarauz, à l'hôtel Eguski. Il y en a un beau nom basque, ça. Voilà. Et là, on a attendu. Parce que partout, dans l'armée, on attend toujours, hein, bien sûr. Dans la vie aussi, d'ailleurs. On attend ce qui nous tombera sur la gueule, bien sûr. Ça vient toujours, aussi. Alors, bon, on s'est retrouvés à Zarauz. Puis, on se disait, qu'est-ce qu'on fout là? Puis, finalement,
on nous a emmenés pour nous compter et pour nous faire des papiers. On nous a envoyés à Miranda. Et là, ça a été la longue durée, là. C'est-à-dire, et puis là, il y avait le camp de concentration. Un robinet d'eau pour tout le monde, pour le camp entier, un robinet qui coulait comme ça. Alors, il fallait faire la queue avec des touques pour pouvoir faire la queue. Et il fallait rester avec sa touque. Sinon, si on abandonnait la touque, elle était virée de la queue. 50 nationalités, là. Vous êtes resté combien de temps dans ce camp ? Oh, environ 4-5 mois, là. 4 mois. 4 mois ? On est sorti le 25 juin. D'accord. Le 25 juin, on nous a mis dans un train pour nous envoyer à Setúbal. C'est au Portugal. Et à Setúbal, il y avait le Sidi Ibrahim. C'était un bateau d'Afrique du Nord, un transport de moutons, je crois. Un bateau pour transporter les moutons qui nous a emmenés à Casablanca. Casablanca. Donc, vous arrivez à Casablanca. Ouais. Où là, il y avait le quai et il y avait aussi la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord. Ouais. Alors, il y avait un quai. Alors, bon, ben, il y avait les sergents recruteurs pour l'armée de Gaulle d'un côté et pour l'armée Pétain de l'autre. Parce que l'armée d'Afrique du Nord, ils avaient tous prêté serment à Pétain, hein, les officiers. Il ne faut pas nous faire d'illusions. On a tous eu des officiers. Les officiers d'Afrique du Nord avaient été tous pétinistes. D'accord. Ouais. Ah, vous choisissez. Ah, moi, j'ai pas choisi, j'avais mes papiers militaires. Oui. J'avais mon livret militaire. Donc, en arrivant, j'ai donné mon livret militaire. Et on m'a envoyé au dépôt 209. Par contre, Jean, il n'était pas mobilisé. Il avait été recruté, lui, comme élève pilote par l'armée de l'air, mais dans une école de pilotage qui devait être celle de l'ALEU, qui devait être une école libre. Il n'était pas... Je ne sais pas quel encadrement... Je n'ai jamais pu savoir quel encadrement militaire il avait avant. Il ne m'a jamais expliqué parce que je crois qu'il ne savait pas. Ben, je crois qu'il ne s'y intéressait pas trop. Et si, il y avait un encadrement militaire, non, ce qu'il voulait... a été démobilisé rapidement. Quoi. Non. Ben si, il est, comme ils n'étaient pas... comme ils n'étaient pas il était mobilisable. Formés... Il était mobilisable en temps âge. Et il y avait mobilisation générale en Afrique du Nord. Puisqu'on a retrouvé, nous, dans l'école de pilotage, dans le centre de rassemblement CFPLA, là, c'était fait pour nous amuser, ça finira par nous abrutir, nous croyons fermement au Père Noël américain. Ça, j'y crois encore parce qu'il a joué un grand rôle dans ma vie, Père Noël américain. Alors, d'Afrique du Nord, comment êtes-vous arrivé à partir pour les États-Unis ? Ah ben ça, c'est autre chose. Ben, c'est la différence avec Jean. Parce qu'on a été au dépôt du 109, à Casa, au dépôt du 109. Tous les Français en âge de faire la guerre allaient au dépôt de 109, qui arrivaient, soit d'une façon, soit d'une autre. Alors nous, tous ceux qui arrivaient de Miranda, ils allaient au dépôt de 109. Alors là, les gamins qui voulaient faire la guerre, ils disaient simplement dans quoi ils voulaient aller. S'ils voulaient aller dans les chars, ben, ils commençaient à recruter pour la deuxième DB, bien sûr. Alors, ou l'artillerie, ou n'importe quoi, ou la bif, n'importe. Donc, on choisissait son arme. Mais moi, je n'avais pas à la choisir. J'avais déjà mon truc d'élève pilote, et j'étais avec un livret militaire. Donc, c'était officiel. Donc, je retournais à mon statut précédent. Donc, mon statut précédent, c'était le CFPNA, l'entraînement en Amérique. Très bien. Centre de perfectionnement... CFPNA, Centre de formation et de personnel et de perfectionnement du personnel navigant. Oh ben oui, parce que j'ai été surpris, parce que j'arriverais d'un pays comme la France où rien ne marchait, pour tomber dans un pays où tout marchait. Voilà, la différence, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui essaye de s'attribuer la gloire de tout ça ? La franchouille. Mm-hmm. On a tout fait. Et finalement, on a fait la débâcle, oui, ça, je suis d'accord. Ouais.
Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, vous êtes arrivé de quel côté? En bateau? En avion? En bateau, à Newport News. C'est quel état, ça? C'est vers... Oh, c'était un grand port militaire. Newport News, oui. Oh, oui. Là, c'était un espace vital sur la côte atlantique. Ça. D'accord. L'autre côté, c'était San Diego et tout le bazar. Mais du côté de l'Atlantique, Newport News. Ok. Et de là, vous êtes acheminé vers votre centre de formation? Ben de là, on est tombé à... On nous a envoyé un mois à Selma. Oh, c'était... on n'était pas gâtés parce qu'on allait Deep South, là. C'est le midi complet, là. Selma, c'était chez les Noirs. Le sud profond. Sud profond, oui. C'est dans quel état? Alabama. Alors là, oui, c'est... Là, les Noirs n'avaient pas le droit d'aller dans les bus, etc., etc. Les bistrots. Et là, vous restez combien de temps? Ben, un mois, là. Parce qu'après, on nous a mis en primarie. Primarie training était prévu 65 heures de vol, 3 mois. C'est dans quelle base? Sur quelle base? Tuscaloosa. D'accord. C'est à côté de Selma. Entre Selma et Montgomery. D'accord. Donc la première base, c'était celle-là. La deuxième base, c'était le Basic, ça s'appelait. Basic, c'était aussi environ 65 heures de vol de plus et 3 mois. Et tout ça, c'est éliminatoire. Hein. Ouais. Si vous suivez, vous suivez. Si vous ne suivez pas, t'es viré. En primary, vous étiez sur quelle machine? En primary training? PT-17. PT-17 directement? Non, j'ai fait PT-17 et PT-19. J'ai fait 45 heures de PT-17 et 20 heures de PT-19. Vous en avez un bon souvenir de ces avions? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai pas eu de problème, là. Ouais. Sauf qu'au début, j'étais malade en l'air. D'accord. Et que mon instructeur m'a dit, écoutez, moi, si ça continue, je peux pas vous garder. Bien sûr, parce que... C'était éliminatoire. Vous faisiez déjà de la voltige à ce niveau-là? Mais dans la première heure de vol, on vous fait une perte de vitesse. D'accord. Puis dans la deuxième heure de vol, on vous fait une vrille. C'était pour voir si vous aviez des trucs. Savoir si on savait. Si on apprenait à l'arrêter. Puis à, d'accord. C'est quand même du sévère dans les premières heures. Hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Ouais. C'est une manière d'éliminer les gens rapidement. Ah ben c'est. Pour eux, c'est bien simple. Si vous faites les résultats de l'entraînement en Amérique, ben c'était environ... On a à peu près eu les mêmes pourcentages de réussite que les cadets américains, qui venaient tous d'université ou de lycée ou de machin. Les grandes écoles, oui. Voilà, c'est tout. Voilà. On a eu à peu près les mêmes choses. Environ 50%. Parce qu'avec les 50%, formaient les pilotes de chasse ou les pilotes de bombardement, et les éliminés s'en allaient aux écoles de bombardiers, de navigateurs, et de mitrailleurs et de mécanos. Mécanonaves. Voilà, c'est-à-dire qu'avec le recrutement pilote, on vous fabriquait tout l'équipage. D'accord. Ensuite, après le primary, donc c'est le basique, vous êtes sur quelle machine? 65 heures. BT-13. BT-13. Basic Trainer, c'est le... Oh. C'est un T6 avec un train fixe. T6 avec un train qui rentre pas. C'est un T6 avec un train fixe, en gros. C'est déjà le même moteur, souvenez? Oh, je ne m'en rappelle plus. Pratt & Whitney? Oui, Pratt & Whitney. Ouais. Et donc, 65 heures encore de Basic sur BT-13, et ensuite? Ensuite, Advance. En Advance, j'ai fait du AT-10. Oui. AT-10 Advanced Trainer Number 10. Et du B-25. Tout de suite. J'ai fait une 20 heures de... Avant mes ailes, oui, j'ai eu 20 heures de B-25. D'accord. J'étais qualifié B-25 avant les ailes. Mais donc, à ce moment-là, vous aviez choisi le bombardement. Ah oui. Ça se fait en basic, ça. D'accord. En basic, l'instructeur, il décide. C'est lui, voilà, bon, ben vous faites du matin. Moi, il me faisait atterrir sous capote. Alors, atterrir sous capote, je n'ai pas fait de chasse. B-25, donc vous avez vos ailes? Sur B-25,
Et après, on m'envoie sur B-26, faire ma formation B-26 à Dodge City, au Kansas. D'accord. Là, c'est combien d'heures de vol ? Ah, ben sur... quand je suis sorti de quand j'ai été qualifié avec les ailes, je devais avoir dans les 350 heures. D'accord. Je suis rentré en France. En France, on m'a foutu dans une... J'ai gardé ma qualif en France. Parce que souvent, il y avait la qualif française. Elle faisait après des cuisines pas possibles. Mais moi, j'ai gardé mon équipage dans mon groupe. Je suis arrivé au groupe Sénégal. Le chef du groupe Sénégal, c'était Mitterrand, Jacques, le frère de... Celui qui a fini général. Oui, celui qui était général, qui a fini chef d'état-major. Et j'étais son ailier gauche. Et j'ai volé là pendant 6 mois, avec des bancs dans les soutabombes, et des bancs, et on transportait du monde entre la France et entre Alger et Lyon. Oui, on en mettait 10 de chaque côté, qui se faisaient face. Ça fait très agréable, parce que quand ils se dégueulaient. Les uns sur les autres. C'était pas très agréable. Oui. Et ça, ça a duré ? Ça a duré... J'ai fait 300 heures, là. 300 heures ? C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je devais avoir 350 heures. Quand je suis reparti de Mango, je devais en avoir 650. D'accord. C'est là où j'ai fait ma demande pour Air France. Vous pensez que la carrière militaire, ça s'arrêtait comme ça ? Là, il n'y avait plus... La France. Et essayez de comprendre quelque chose dans la France. Moi, je n'ai jamais pu comprendre. Jamais. Parce que ils ont fait des équipages, ils ont fait des qualifications avions qui étaient valables, parce que la qualification à Merlock, c'était pas de la rigolade. Hein. Mm-hmm. Alors bon, on avait du simulateur, on avait vol de nuit, quand on est arrivé à mon groupe, moi je suis tombé dans mon escadrille avec Mitterrand, où il y avait des gars qui savaient même pas voler de nuit. Nous on était qualifiés de nuit. Mmh, d'accord. Donc, le training, vous avez fait le simulateur de vol, vous avez découvert ça aux États-Unis. Oui. Vous avez des souvenirs de ce... Ça s'est passé à chaque niveau, primary, basic, non, basic, ça a commencé en basic, le simulateur. Oui. Après, on a eu du simulateur partout. Oui. Partout. On faisait des arrivées au Radio Range. Des machins comme ça, des trucs. On faisait du SCS 51. Ça n'existait pas encore en France, ça. D'accord. Mmh. Voilà. Et puis voilà. Non. Non, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas comparer le système à Merlock avec le nôtre. C'est pas comparable. Mmh. À l'époque, c'était comme ça. Chez nous, c'est de la bricole. C'est n'importe quoi, bien sûr. Toujours. Au total, vous êtes resté combien de mois aux États-Unis ? Ben, j'ai cassé un poignet basique. Je suis cassé un poignet. Ça m'a retardé 2 mois. C'est-à-dire que j'étais au 5e détachement et j'ai fini avec le 8e. Et dans les archives, je suis toujours au 5e. Mais dans les archives de... Parce qu'ils ont fait un dictionnaire des gens formés en Amérique. Ça existe, ça. Oui, oui. Et je suis dedans, là. D'accord. Vous verrez. Je suis dans le 5e détachement. Vous pourriez nous parler de votre vie aux États-Unis, le quotidien, les distractions, si on avait... Ben. Les rapports avec la population. Ah ben, les populations, c'était sans problème. Nous étions des French cadets. Et les cadets américains qui allaient dans l'aviation étaient très bien considérés, hein, partout. Parce que, bon, ben, vous étiez un soldat, quoi. Mm-hmm. Vous faisiez partie des forces alliées. Donc, vous aviez des avantages particuliers, comme les ricains. On était habillés en ricains. On avait juste le bleu, blanc, rouge, là. Puis c'est tout. Non, on était habillés en américain. Et souvent, il y avait des familles qui venaient chercher des Français pour leur faire passer
le samedi ou le dimanche chez eux. D'accord. Au fin fond du Texas. On était reçus dans, dans des fermes, n'importe quoi. Pour le barbecue. Oui, pour le barbecue, pour causer. Parce qu'eux aussi voulaient savoir des choses. Oui. Ce qui se passait en France. Enfin, bon, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient très intéressés par la France. Vous aviez aux États-Unis des retours sur les, ah oui, les événements militaires en Europe. On était bien payés parce que les Américains avaient tenu à ce que les Français aient la même solde que les Ricains. Alors donc, nous avions aux États-Unis la solde des Américains. D'accord. Donc, moi j'étais très bien parce que je me rappelle combien j'avais à peu près. Je ne me rappelle plus. Mais à partir du moment, si au début, on est resté avec les gardes français. Donc on a commencé caporal. Après, on est passé aux ailes, on est passé sergent. Puis ceux qui sortaient un peu du lot sont passés aspi. Donc j'ai fini aspi. Donc j'avais ma solde d'aspirant. Et aspirant, ça me faisait environ 300 ou 330 $ par mois. Mmh. Logé, nourri par le PX américain, c'était pour rien, puisque on était militaire. Et là-bas, vous aviez des nouvelles de la France ? Non. Rien du tout ? Non, les nouvelles qu'on diffusait par les journaux et la radio, c'est tout. Donc c'était assez vague, peut-être. Ben, on savait où ça se battait. Et on savait que les Américains avançaient. D'accord. Ouais, bien sûr. Puis, non, c'était... Non, ce qu'on arrivait... Moi, j'avais fait de l'anglais au Bahut, donc ça, je me démerdais en anglais. Bon, ben, j'ai pas eu de problème en anglais. Mais je lisais le journal. Donc, et je pouvais communiquer avec les gens, ou même avec les instructeurs. Parce qu'il y a des Français qui ont fait l'entraînement en Amérique, qui n'ont jamais compris un mot d'américain. Oui. Non. Ils ont pu finir la formation quand même ? Oui, par des bricolages. Bricolage, traduction entre... l'un, ça traduisait à l'autre, quoi. Puis, bon, bricolage général. Non. D'accord. Arrive le retour en France. Oui. Et votre premier sentiment en revoyant le pays ? La gloire. C'est toujours la gloire, quand on a... La gloire. Oui. Non, non, on avait gagné la guerre. C'est ce qu'on s'est rendu compte en arrivant en France. Oui. On est tombé dans un groupe où ils avaient fait peut-être combien de missions de guerre, j'en sais rien. Pas beaucoup, mais ils avaient gagné la guerre. Et tous les officiers de nos groupes français, ils avaient tous gagné la guerre, bien sûr. Ils avaient été si, parce que au début... Il n'y a eu qu'une escadrille combattante. C'était la Bretagne, je crois. Et ils étaient en Sardaigne. Donc c'est les maraudeurs sardes. Si vous avez vu parler, c'est un bouquin qui a été écrit par un Français. D'accord. Les maraudeurs sardes. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Parce que les Américains nous gardaient dans l'armée française, mais on travaillait avec le numéro de l'armée, la 7e Air Force, je ne me rappelle plus laquelle, qui a fait le débarquement. Nous, on est tombé avec l'escadrille Mitterrand, c'était la 32e escadre, je crois. Ouais. Moi, j'étais au Sénégal. Sénégal, c'est le 263. Il y avait six groupes. Mm-hmm. Il y avait six groupes de maraudeurs, et deux escadres. Je crois que c'est ça. Six groupes, oui. Bah, comment s'est terminée la guerre pour vous ? Ben, ça s'est terminé. On nous a fait faire le défilé de la victoire à Paris. Moi, j'ai fait le défilé en passager. Parce que, ben, y a ça, c'était le 14 juillet 45 ? Oui, 45. On nous a fait défiler au-dessus de... Au-dessus des Champs-Élysées. Oui. Alors bon, on a défilé. Puis après, on a recommencé à trimballer des passagers
vers l'Afrique du Nord. Et puis un jour, moi, je me suis dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Parce que la France, bien sûr que la France avait probablement, dans les comptes interalliés, il est probable qu'un chapitre financier qui a été réglé par qui, j'en sais rien, qui a épongé, je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir, j'en sais rien. Mais ça a dû être payé, parce que c'était des formations, tout ça c'était facturé. Ils ont fait des équipages pour les Anglais d'abord, ils en ont fait pour les certaines nations qui se battaient encore, je ne m'en rappelle plus. Mais enfin, ils ont dû, comment dirais-je, facturer des choses. Mais quand il y a eu la guerre d'Indochine, eh bien la France avait démobilisé tous ces pilotes formés en Amérique, il n'y en avait plus. Ils ont repayé des stages pour refaire des gens qui ont été formés au Canada et aux USA. Vous vous rendez compte? Pour la guerre d'Indochine. Pour l'Indochine. D'accord. C'est-à-dire que on a dépensé des sommes folles, peut-être, qui n'ont servi à rien. En Indochine, on sous-louait des appareils de transport pour louer à des entreprises comme Colin et les autres qui transportaient des munitions pour l'armée ou n'importe quoi en Indochine. D'accord. Donc c'est à ce moment-là que commencent vos débuts dans l'aviation commerciale chez Air France. Vous pouvez nous en parler, votre entrée dans Air France et les débuts. Ça c'est un roman. Oui, alors Air France, voilà. Oui, nous parler de vos débuts à Air France tout de suite après votre démobilisation. J'étais dans l'armée à Marignane en train de bricoler dans l'armée française parce que l'armée française. C'était mon groupe de 263. Bon, je détestais pas la France. J'avais des types qui étaient tous des sous-officiers, qui étaient passés officiers avec la loi Grenier. C'est-à-dire, tant de temps sous-officiers, paf, ils passaient deux galons ou quelque chose comme ça. Bon. Ben oui, il fallait bien pousser un peu les gens, parce que l'armée française, c'est comme ça un peu. Bien, alors, mais j'avais de bons copains dans l'armée française, bien sûr. Des braves types qui m'ont dit, perds pas ton temps là, on va rien foutre. Il n'y avait plus de guerre. Plus de guerre, il n'y avait plus rien. On était en train de défaire le groupe de B-26 auquel j'appartenais pour le transformer sur JU-52 et le faire appeler Franche-Comté. C'est devenu le frais Franche-Comté après. Et ils ont envoyé les JU-52 après, au début de l'Indochine, ils ont envoyé les JU-52 se faire flinguer en Indochine. Bon, alors, mes copains, moi, mes anciens de l'armée, comme Lardy et les autres, ils ne restent pas là-dedans, fout le camp. Et j'ai été voir Mitterrand, le frère, Jacques, qui m'a dit, oui, vous avez raison, restez pas là. Il n'y a pas de carrière dans l'armée. Si vous refaites là, si vous voulez refaire une carrière d'EOA, il faut d'abord donner votre démission d'aspirant, on vous remettra sergent. On vous fera faire un stage bidon, hein. De toute façon, vous ferez un stage bidon, vous serez renommé sous-lieutenant, ou lieutenant peut-être de ficelle, parce que vous avez déjà une ancienneté, mais vous pourrez rester dans l'armée. Mon copilote a fait ça, il a fini commandant. Et il était sous-officier. Il a fini commandant. Bon. J'avais fait ma demande à Air France, j'ai reçu le papier, et puis j'ai dit, ben, je vais quand même essayer, parce que le papier, il était passé par Niort, par Parmam, par Le Bourdet. Et évidemment, il est arrivé en retard. Et je me suis dit, c'est foutu, je suis hors limite, là. La convocation pour Air France, elle datait de 7 décembre, et on était fin janvier. Oh, j'étais à Marignane, je dis, tant pis, je tente le coup. Et le soir, je vais à la gare, il y avait un rapide qui faisait Marseille-Gare de Lyon. Et je prends le rapide et je m'en vais à Paris. À Paris, je me tombe rue Marbeuf. Rue Marbeuf, je me pointe. C'était l'adresse d'Air France d'avant-guerre qui était revenue à 2 rue Marbeuf. Et j'arrive 2 rue Marbeuf. Elle me dit, si, ça marche encore. On va vous faire passer la visite médicale du médecin d'Air France. Puis il dira si ça marche ou pas. Je vais voir le médecin. Il me dit, c'est bon, ça marche. Et je revois voir le secrétaire qui m'avait accueilli, il m'a dit, demain matin, vous allez au Bourget,
on vous prend au Bourget demain matin. » Ah, je dis, non, hein, je suis pas déserteur. Je m'en vais d'abord régler mon truc avec l'armée. Hein. Je suis pas un déserteur. En fait, je l'étais par ici, mais je ne savais pas encore. Ouais. Bon, alors, j'arrive au Bourget. Non, je retourne à Marseille. À Marseille, j'avais pas de commandant. Hein. Mon commandant de groupe, il n'y en avait pas. Il était à Mengem, on était en Allemagne. Alors il me dit, il y a un B-26. On me dit, tu prends le B-26, tu rentres à Mengem. J'arrive à Mengem, je m'en vais voir mon commandant. C'était De Pontalba, mon commandant. C'était son secrétaire. Alors je vais le voir, je lui dis, je vais m'en aller. Ah, il me dit, oui, vous avez raison. L'armée, c'est sans espoir. Sans espoir, il m'a dit. Il n'y a plus de guerre. En fait, il se trompait. Hein. Il y en avait une en gestation. Oui. Mais j'ai bien fait de ne pas y aller, parce que là, je serais peut-être pas revenu, là. Il y avait même de fortes chances. Parce que juste 52, il ne faut pas grand-chose pour les descendre. Hein. Bon, alors, il me donne mes papiers, je rentre à Paris. À Paris, j'avais des copains qui étaient déjà rentrés à la postale, chez Dora, et qui me procure un hôtel. Et puis, bon, bah, puis je m'en vais, le surlendemain, j'étais au Bourget. Au Bourget, on m'a dit, attention, t'es arrivé en retard, il n'y a pas d'instructeur. Donc, tu vas au Bourget, tous les matins, il y a l'autobus à la porte de la Villette. Alors, tu prends l'autobus bleu, c'est un autobus bleu, il te mettra au Bourget, tu vas au CPPN, puis là, au CPPN, j'arrive, alors on me présente un chef de stage, qui était un gars du sol. Et les gars du sol ne pouvaient pas nous voir. Non. Nous étions des gens qui avaient été formés en Amérique ou en Angleterre, donc ils ne savaient pas ce que c'était que la France, ceux-là. Donc le personnel Air France, au départ, vous savez, c'était... Ils venaient de Vichy. Donc ils étaient tous de Vichy, tous passés par Vichy, et ils ne pouvaient pas voir les combattants qui avaient été traînés leur guêtre avec des trucs anglais ou... des calots russes ou n'importe quoi. Bon, c'est effrayant. Bon, ça fait rien. Alors, bonjour, on me dit, oui, ben, tu vas à l'école le matin, parce que à l'école, il faut que tu ailles quand même, parce qu'on prépare le brevet supérieur de navigation. C'est pas de la tarte. Hein. Donc, il fallait préparer, parce que pour être titularisé à Air France, on a appris, avec les papiers, qu'il fallait être titulaire du brevet de navigateur. Bon. Alors, le matin, il y avait soit vol et le soir, cours, ou inversement. C'est-à-dire qu'il y avait ceux du matin, ceux du soir, etc. Ça, c'était pas mal foutu. Depuis, ça marche mieux. Ça marche comme des gens organisés maintenant. Bon, alors voilà. Alors, on a commencé comme ça. Alors, le matin, il y avait soit un avion qui avait un pneu crevé, donc il ne pouvait pas voler. Ou le mécano qui n'était pas là, donc il ne pouvait pas voler. Ou la radio qui était en congé, ou je ne sais pas quoi, il ne pouvait pas voler. Il y avait toujours quelque chose. Quoi. Toujours. La sinistre pagaille. Non, la franchouille. Moi, j'ai appelé ça la franchouille. Bon, alors, on a continué. Alors, finalement, vous savez combien j'ai fait d'heures de vol en 6 mois ? En élève. C'est-à-dire, les cours au sol, ben, je les prenais. Puis, au bout de 4 mois, j'ai passé mon brevet de navigateur. Et j'étais reçu. Donc, j'étais peinard après. Avec ça, j'étais tranquille. C'est comme si j'avais passé un truc universitaire. Voilà. Bon, alors, en 6 mois, j'ai fait 7h15 de vol. 7h15 en 6 mois de vol effectif, c'est-à-dire aux commandes. En 6 mois, parler d'une expérience sur JU-52, Goéland, Languedoc, et quoi encore ? Bloc 220, je crois. 4 ou 5 types d'avions. Vous croyez que c'était une formation ? Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que le mois de novembre, je le raconte là. Je me retrouve parce que les Français avaient décidé, Air France avait décidé de faire voler ses longs courriers avec l'équipage suivant. Un pilote, un radio, un mécano. Pas de copilote. Et les Américains ont immédiatement posé comme condition, sur tous les terrains que nous contrôlons, il faut 2 pilotes à bord.
Le reste, on s'en fout. Vous mettez ce que vous voulez, mais il faut deux pilotes à bord. Et c'est là où Air France a été dans la merde. Parce qu'ils sont venus à l'école chercher des clients pour devenir copilote. Et à ce moment-là, moi j'ai dit avec un copain qui s'appelait Haussmann, qui est mort maintenant, j'ai dit, écoute, si on veut apprendre quelque chose dans cette boîte, on va aller voir ce que les anciens font à Orly, parce qu'il y avait déjà des DC-4 à Orly. On va aller voir. Ah, il me dit, t'as une bonne idée. Et on va voir le chef de l'école et on dit, nous, on voudrait aller comme copilote à Orly pendant 6 mois pour voir comment les vieux travaillent. Ah, ils disent, bon, c'est pas mal. Et 2 jours après, on était à Orly. Sans aucune qualification. Hein. Rien d'autre de ce qu'on avait fait à l'école. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé à Orly, on m'a dit, t'as une casquette? J'ai dit, oui, j'ai une casquette. T'as un uniforme? Oui. Et est-ce que t'as un passeport? Oui. Ah ben, tu dis, tu pars après-demain à Saigon. Vous voilà. Étiez devenu un personnage intéressant. Oui. Simplement par le fait d'être affecté de l'école à Orly. Mais je n'avais aucune expérience sur le DC-4, j'en avais jamais vu. On ne parlait pas de qualif de type à l'époque. Non. Vous étiez pilote, vous étiez pilote. Ah, ouais. Que c'est ce que le secrétaire a dit à un de mes copains. Il a dit, bloc 220, je m'en vais sur bloc 220. Courrier est en bloc 220. Il lui dit, mais je ne peux pas y aller, je ne connais pas. Il dit, t'es pilote ou pas? Voilà. T'es pilote. Bon, ben le mécano t'apprendra. Il est parti. Et il a fait son courrier en bloc 220. Puis il est revenu. Le premier courrier où j'étais pas qualifié, j'ai fait... Votre premier courrier, c'était l'Asie. Ouais. En Asie, c'est ben Paris-Saigon. Saigon, premier courrier. On peut en parler rapidement? On peut en parler? Saigon? Oui. Ah ouais, mais l'arrivée à Saigon, par exemple. Ah non, à Shanghai. À Shanghai. Ah, ça c'est super. C'est un grand moment d'aviation, ça. Oui, parce que moi, je connaissais des instruments américains, tout ce qu'on m'avait appris à l'école américaine, c'est-à-dire les simulateurs, les machins, les trucs, ouais, mais je connaissais. Et j'avais fait tout ça au SIMU, avec les radios Orange et tout ça. Donc, j'étais déjà, je me considérais comme qualifié là-dessus, aux instruments. Bon, alors, en arrivant à Saigon, le radio, qui ne parlait pas l'anglais, ne comprenait pas ce que le contrôleur disait. À Shanghai, vous voulez dire, pardon. Shanghai. Qui était contrôlé par les Américains. Oui, et là, c'était tout américain, là. Hein. Oui. C'est l'infrastructure, tout. Il y avait même la Jeep Follow Me. OK. Bien sûr. Bon, alors, on arrive à Shanghai, le radio. Alors, il y avait l'affluence, parce qu'il y avait le chef de région, il y avait le chef pilote, il y avait tout ça, et tout le monde qui baillait, et tout le monde qui comprenait rien du tout. Alors, au charabia de anglais, non, à Merloc. Alors, finalement, le radio me dit, tu comprends ça? Bien sûr que je comprends. Je lui dis, j'étais chez eux, je connais. Bon, alors il me dit, tu veux pas lui causer? Et c'est là où je lui dis, bon, ben, d'accord. J'ai parlé au micro et j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que vous proposez? On vient pour se poser, on vient de Saigon et notre destination, c'est Shanghai. Et ils me disent, bon, ben, d'accord. Si vous voulez, on peut vous. Il fait mauvais. Il y a 200 pieds de plafond et un quart de mille de visite. C'est-à-dire 200 pieds, 400 mètres. Et il me dit, vous pouvez faire un GCA. Je dis, ben, GCA, banco, je connais. Alors, je dis ça au commandant, il ne connaissait pas. Jamais fait. Le radio, il ne savait pas non plus. Je dis, ben, écoutez, c'est extrêmement simple. Hein. Vous suivez tout ce qu'il vous dit, et surtout, vous n'interprétez rien du tout. Vous réglez votre conservateur de cap, vous réglez votre réglage d'altimètre, et c'est terminé. Après, vous faites ce qu'il vous dit. Et à 200 pieds, on avait la piste devant. Et on s'est posé. Évidemment, la piste était là. Mm-hmm. On est passé 5 jours. 5 jours, reçus par l'ambassadeur du coin, etc. Ah oui, le grand cinéma, là, le grand tralala. C'est les grands débuts. C'est ça. Je me suis retrouvé qualifié copilote sans avoir touché à l'avion. Parce que finalement, bon, le commandant
c'est le commandant qui a piloté. Hein. Il a fait des choses au pilote automatique, mais à 200 pieds, je lui ai dit, vous débranchez le bazar. Hein. Maintenant, c'est à vous, là. Hein. Et il a fait, mais moi, j'ai rien fait. C'est venu par la suite. C'est venu. Si on fait plus chose que plus simple que ça, moi, j'en ai déduit une chose après, à Air France. J'ai été lâché au Bourget après, comme postal. Parce que le lâcher à Air France, il faut passer par la postale. Parce que la postale, c'est l'hiver, la nuit. L'hiver par mauvais temps. Et l'hiver par mauvais temps, c'est très bon pour former les gens. Très formateur. J'ai quand même été à 6 enterrements de mes copains là, au Bourget. Parce qu'on était formés par mauvais temps au Bourget. Mais l'addition était forte. On allait à Saint-Augustin. Ouais. Ouais. Après, ça s'est arrangé parce qu'ils ont pris davantage de précautions et ils n'ont pas. Ils ont abrégé les QDM pour venir sur des choses plus modernes. En particulier le GCA à Londres, le GCA à Berlin, le GCA même à Orly. C'était des GCA américains et ça marchait. Quel est l'avion qui vous a laissé les meilleurs souvenirs? Oh non, j'en ai plein d'avions. Tous? Oui, tous. Parce qu'ils ont tous. Oh, il y en a qui sont plus ou moins faciles à conduire, bien sûr. Mais je sais pas. J'adorais le Block 161. Oui. Oh, une stabilité en pilotage formidable. En pilotage, on faisait des trucs. J'ai fait du 0-0 avec le Block 161. Je me suis posé à Londres, on est venu me chercher avec une Jeep sur la piste. Ouais. Je ne pouvais pas sortir de la piste, je ne voyais rien. C'est une Jeep qui est venue nous chercher. D'accord. Pour nous faire trouver le chemin du parking. Non, les avions, si le meilleur, celui que j'ai le préféré après, c'était le 707. Parce que le 707, il avait un rapport de poids, poids-puissance formidable. Vous étiez toujours à l'aise avec. 747, il était très lourd. Hein. C'était tangent parce qu'il était à la limite. Là. Quand vous décolliez un 747 à 370 tonnes, c'est pas du gâteau. Hein. Faut faire gaffe. Là. Ouais. Si vous aviez un message à passer aux plus jeunes, vous diriez quoi? Plus jeune. Comme ça, en général. Jeunes non. Aviateurs ou pas? J'ai plus de message à faire passer. Un petit conseil. J'ai quand dit, même. Si j'avais un message, j'ai dit, défendez notre retraite, je dirais. Parce qu'elle est très menacée. Ils sont en train de la bousiller. Ouais. J'ai une petite fille qui est dans le métier, machin. Dans le métier à. En Australie, je crois. En Australie. Oui. Ouais. Bon. Oh. C'est pas votre vie est une aventure, parce que maintenant, ouais. Bon, on va arrêter maintenant. Là.